Mon invité aujourd'hui est Philippe Hayat, fondateur de l'association 100 000 Entrepreneurs, qui vise à transmettre la culture et l'envie d'entreprendre aux jeunes dans les établissements scolaires. Il est l'auteur d'un rapport remis récemment à Fleur Pellerin, la ministre des PME et de l'économie numérique, intitulé ⁇ Pour un New Deal entrepreneurial, créer des entreprises de croissance ⁇ détaillant une série de propositions pour développer en France l'esprit d'entreprise, favoriser les projets porteurs de croissance et motiver les talents, autant de volontés qui prennent un sens particulier dans le contexte de la fronde des pigeons et alors que vient de se dérouler. La dernière édition, un peu partout en France, des Journées de l'Entrepreneur. Bonjour, Philippe Ayatin. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de XerfiCanal.com. Alors, pourquoi ce rapport que vous avez donc remis à euh, Madame Pellerin, que vous avez intitulé pour un New Deal avec un accent euh, Rooseveltien, en quelque sorte, en préambule de votre rapport, vous écrivez il n'y a pas une minute à perdre. C'est ça Oui, il y, y a urgence parce que. Euh, comme vous le savez, on n'a plus de croissance. Ouais. On a le chômage qui, le chômage qui croît énormément. Euh, et les jeunes assez désemparés se retrouvent au chômage pour euh, un jeune sur quatre aujourd'hui qui entre dans la vie active. Donc il euh, y, y a eu urgence. Et quand on regarde euh, la situation, les grands groupes sont plutôt en phase de destruction d'emplois. Donc ceux qui vont créer des emplois, ce sont plutôt les entrepreneurs, euh, leur, euh, leurs entreprises. Il faut les aider donc, à créer et mmh. à faire grandir leur entreprise. Alors on va détailler hein, les, les grandes lignes de ce rapport, je le disais, qui prend une consonance particulière hein, dans le contexte que nous connaissons tous, soutien aux, en aux entrepreneurs, sensibilisation des jeunes, vous y êtes très euh, sensible évidemment avec 100 000 entrepreneurs, favoriser les PME exportatrices. L'objectif c'est ambitieux, c'est développer les entreprises de plus de 50 salariés, car ce sont elles qui font de l'emploi, mmh. vous les appelez joliment les entreprises de croissance, doubler mmh. leur nombre en France. Passer de 1000 à 2000. Oui, déjà, même 10 salariés, hein, avant de parler de 50. Ouais. Parce qu'en France, chaque année, il y a 550 000 entreprises qui sont créées. Et sur ces 550 000 entreprises, chaque année, il n'y en a que 7000 qui dépasseront 10 salariés à terme. Et il n'y en a que 1000 qui dépasseront 50 salariés. Et quasiment aucune dépassera 250 salariés. Donc, dans le rapport, euh, je décris euh, un certain nombre d'actions qui pourraient permettre de doubler chaque année. Le nombre d'entreprises qui dépasseraient 10, puis 50, puis 250 salariés. Et si on fait ça, on peut créer 200 000 emplois par an supplémentaires. Alors, un des axes forts, un des moteurs, hein, parce que vous parlez des six moteurs de votre rapport, c'est de développer les entreprises technologiques en France, qui ne sont pas assez nombreuses dans notre pays, pour essayer d'avoir, évidemment, le Google de demain parmi elles. Alors, ce que je vous propose, Philippe Hayat, c'est que nous regardions les chiffres de Xerfi, d'Alexandre Mirli-Courtois, le directeur des études de Xerfi, qui a fait un petit topo, qui a préparé un petit topo sur euh, bah, la contribution de, de, de l'économie numérique au PIB et à la croissance. Vous verrez, c'est assez édifiant et pas forcément en notre faveur. Selon les sources et les périmètres, la filière numérique française représenterait entre 3,7% du PIB, c'est la fourchette basse selon McKinsey, à 5,1%, c'est la fourchette haute selon France Numérique, en passant par 4,7% selon ses et Quoi qu'il en soit, c'est une part bien moindre à celle observée au Royaume-Uni, 6,7%, aux États-Unis, 7,3% ou dans le nord de l'Europe. La filière aurait ainsi contribué à un quart de la croissance du PIB et de l'emploi depuis 15 ans. La performance est là encore en retrait par rapport à ce que l'on observe au Japon, en Allemagne, près d'un tiers, ou aux États-Unis, 37%. Remédier à ce retard se joue par la création et le développement de nouvelles structures. Il se crée chaque année 260 000 entreprises hors auto-entrepreneurs. Mais sur ce nombre, seuls 5% se créent dans le secteur de l'information et de la communication. Oseo évalue même à 550 seulement le nombre d'entreprises innovantes créées annuellement à partir d'un projet technologique ambitieux. Alors, Philippe Ayat, est-ce que c'est possible, dans votre rapport, on l'a vu, hein, les 550, vous vous en ciblez 600 hein, seulement créés par an dans notre pays, vous estimez qu'il est possible de doubler oui. ce nombre Qu'est-ce oui, que vous préconisez Déjà, pourquoi il est possible de doubler Parce que 600 entreprises technologiques par an, c'est moins que le nombre de laboratoires qui existent sur le territoire. Oui. Et euh, euh, en plus de ça, en plus des laboratoires et du réseau de laboratoires... On a mis en place des pôles de compétitivité, on a mis en place des pôles de recherche et d'enseignement supérieur, on a mis en place euh, des initiatives comme le plateau de Saclay, énormément de milliards qui ont été mis sur la table pour créer des structures pour favoriser l'innovation et on sort 550 entreprises technologiques par an. On peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Alors, quand on regarde pourquoi on en sort si peu, finalement, on s'aperçoit de deux choses. La première chose, c'est que ces pépites technologiques, elles sortent des laboratoires. Et les laboratoires aujourd'hui ne sont pas calibrés pour repérer la pépite technologique qui va rencontrer un marché. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs qui, qui cherchent, qui trouvent des choses, mais ensuite traduire ça en business model, comme on dit dans le monde des affaires, pour en faire vraiment un projet qui va rencontrer des clients sur un marché, il faudrait ajouter une couche entrepreneuriale finalement dans ces unités de valorisation de la recherche. Et ça, c'est ce que vous préconisez dans votre rapport. On a quand même, comment l'expliquez-vous, l'impression d'un décrochage aujourd'hui de la France par rapport euh, aux pays du Nord, par rapport évidemment aux pays anglo-saxons. Euh, euh, on a des, des SS2I formidables dans notre pays. Euh, sur le haut débit, on était très en avance à un moment, on avait bien, bien, bien avancé sur le sujet. Ce décrochage, comment on peut l'expliquer Il y avait déjà, donc, comme on vient de le dire, il y a déjà ce, ce, ce manque de dynamique entrepreneuriale mmh. des unités de valorisation de la recherche qui fait qu'on a du mal à convertir un succès technologique en un succès industriel. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il nous manque aujourd'hui ce qu'on appelle les clusters, c'est-à-dire de, de rassembler localement, dans un même ensemble, euh, l'enseignement, la recherche, le financement et l'incubation de projets. Et ce genre de modèle a fait merveille dans la Silicon Valley, euh, en Israël, à Bangalore, en Inde, et ça nous manque vraiment aujourd'hui. Donc euh, il nous manque cet écosystème qui combine un petit peu tous les ingrédients de la recette qui va faire qu'on va créer des sociétés technologiques. Oui, Jacques Attali, par exemple, regrette sur le sujet cette espèce d'organisation pyramidale que nous aurions dans notre pays qui empêcherait l'éclosion, effectivement, de ce genre d'entreprises, de, donc, donc les entreprises de techno. Alors est-ce que la BPI, la Banque publique d'investissement, qui va être donc porteuse sur les fonds baptismaux, va permettre, selon vous, le développement et l'éclosion de ces entreprises techno Je ne sais pas, aujourd'hui, ouais. puisque avant la BPI, on avait Oseo, ouais. qui fonctionne très bien, qui fournit à l'entrepreneur des outils pour euh, structurer son bilan, à la fois dans le court terme, dans le long terme, euh, en dette et en capital, ouais. etc. On avait la, la CDC, CDC Entreprises, la Caisse des dépôts, avec le FSI pour apporter des fonds propres aux entreprises. Euh, on avait un gros effort de la Caisse des dépôts pour développer des fonds d'amorçage, pour justement financer les entreprises dans les deux premières années de leur existence, là où elles manquent cruellement de financement. Donc il y avait des choses quand même qui ont été mises en place, qui fonctionnaient plutôt bien. Est-ce que le fait de créer une méga structure qui va finalement euh, récupérer OSEO, Caisse des dépôts, FSI, est-ce que ça va les faire travailler mieux Ou est-ce qu'on va ajouter une, une couche de management et de complexité qui vont nous faire un peu perdre de vue ce service de proximité qu'on avait. Donc, moi, je demande à voir. Et puis, le danger, effectivement, c'est qu'on privilégie peut-être les entreprises industrielles au nom de, du, du, du rétablissement de nos capacités en, en, en la matière et qu'on oublie peut-être aussi. Les entreprises d'innovation. Philippe Hayat, est-ce qu'il faut revoir, selon vous, le crédit impôt recherche qui est vanté dans le monde entier mais qui coûte très très cher aujourd'hui en France, hein, 4,5 milliards d'euros La critique, c'est que ça sert trop les grandes entreprises, pas assez les PME innovantes. Alors là, partagez pour... le point de vue ou pas Moi, je crois qu'il faut le maintenir, il faut en faire ouais. profiter les PME, il faut le développer et la bonne nouvelle, quand même, euh, sur le Quinquennat que nous vivons aujourd'hui, c'est que le crédit d'impôt recherche a été élargi non plus seulement aux brevets ou aux innovations techniques, mais également à des innovations un peu plus larges comme euh, les questions de design, de, etc. Donc c'est bien, il, il est en train d'être étendu et il faut persévérer. Alors un des aspects, je le disais, c'est la sensibilisation des jeunes aujourd'hui à la cause. Entrepreneuriale. Alors, on ne va pas rentrer dans le cliché que les jeunes aujourd'hui veulent être fonctionnaires. Hein. Vous avez tous vu, ça ça, ça intrigue toujours énormément hein. les étrangers, paraît-il, quand ils ont lecture de ce genre de, de sondage. Dans euh, le rapport, vous pointez du doigt une véritable carence des filières d'entrepreneuriat dans l'enseignement dans supérieur. Il y a un chiffre qui m'a frappé, Philippe Hayat seulement 5 à 10 dans le meilleur des cas, des promos des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des grandes écoles. Bref, la crème de la crème se lance dans la création d'entreprises. Oui, on est plutôt même à 5% ouais. en fait. Mmh. Vous avez aujourd'hui une trentaine de grandes écoles, ingénieurs, commerces, mmh. qui ont mis en place une filière structurée d'entrepreneuriat et dans ces écoles-là, on a peut-être une trentaine d'entreprises qui se créent par an sur des promos de 500 mmh. élèves. Qu'est-ce que vous euh, préconisez ben, Moi, je préconise déjà de euh, vraiment euh, structurer ces filières entrepreneuriat avec euh, un parcours pour l'étudiant, euh, un, un premier module pour lui donner la boîte à outils d'entrepreneur, un deuxième module pour lui apprendre comment on fait un business plan, une étude de marché, un troisième module qui serait un incubateur où il pourrait se lancer et un fonds d'amorçage abonder pourquoi pas, par les anciens de l'école pour financer les premiers pas de l'activité. Et ce, qu a, ce qui existe à l'EM Lyon, euh, à l'ESSEC, euh, à HEC, il faut le démultiplier dans toutes les grandes écoles, ingénieurs-commerce, mais également dans les universités. Aujourd'hui, un jeune dans une université n'a pas les moyens d'avoir le support euh, et l'apprentissage pour monter son entreprise. Ce que je préconise dans le rapport, c'est que tout étudiant... Euh, en formation d'enseignement supérieur, doit avoir la possibilité de monter son entreprise sur son campus s'il le souhaite. Mmh. Alors, la question de la fiscalité, je le disais, qui prend un tour particulier avec la question des pigeons. Alors, vous, vous, vous expliquez qu'il faut faire une fiscalité de combat sur la prise de risque et donc qu'il faut privilégier les talents. On a eu l'impression là qu'on était à des années-lumière, en quelque sorte, avec les derniers développements qu'on a pu voir, non Oui, d'abord, si vous me permettez, moi, je ne voudrais pas tomber dans la caricature qui est de dire, l'entrepreneur, quand il se lève le matin, il pense qu'à une chose, c'est d'optimiser sa ouais, fiche d'impôt. Ah, oh, de se raser aussi, ouais. <laughs> Voilà, donc en fait, l'entrepreneur, quand il... il prend la décision d'entreprendre, c'est pour porter un projet qui lui tient à cœur et pour s'épanouir dans la mise en œuvre de ce projet. Bien sûr, il le fait en espérant un gain financier, en espérant... C'est une bonne nouvelle qu'il paye des impôts, ça veut dire que son projet a fonctionné. Bon, alors, et puis, il est, il est la plupart du temps, il joue son rôle de citoyen en payant les impôts. Par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas mésestimer le fait qu'un entrepreneur qui se lance, il prend un risque. Il met de l'argent quelque part et il risque de ne plus retrouver son argent contrairement au revenu du travail, où finalement on touche son salaire à la fin de chaque mois. Il faut d'une manière ou d'une autre que ce risque soit reconnu dans la fiscalité. Mais là, vous pointez du doigt effectivement la dichotomie entre euh, capital d'une part et travail. Et c'est vrai qu'on a tendance surtout dans un pays comme la France à penser qu'on peut aligner le capital sur le travail et que oui. ça paraît euh, bénéfique et que c'est euh, effectivement euh, la contribution de l'entrepreneur à la prospérité générale. Et ça rappelle un peu le mouvement anti-pigeon, vous savez, qui s'est monté, oui. des entrepreneurs qui estimaient qu'il était normal de, que ce soit aligné. Mais pour vous, c'est une, une erreur d'appréciation. Si oui, je en fait, euh, je vous ferai remarquer que c'est une erreur d'appréciation qui est vrai à droite comme à gauche, puisque dans le programme du candidat Sarkozy, il y avait aussi cette convergence de la fiscalité entre capital et travail. Et je crois qu'en France, on a beaucoup de mal à se dire que le, le revenu du capital peut être aussi noble. Que le revenu du travail, parce que sans capital, il n'y a pas de travail. Bon, et puis en plus, on est dans un contexte particulier de forte pression euh, fiscale dans notre pays. Alors, ce que je vous propose là aussi, c'est que nous retrouvions Alexandre Mirelet-Courtois, euh, qui planche pour, euh, pour Xerfi, le directeur des études de Xerfi. Là aussi, il a mis à contribution ses services pour nous rappeler en quelque sorte quel est aujourd'hui le poids fiscal, le tax burden, comme disent les anglo-saxons, sur euh, les PME. Pas seulement hein, les PME de croissance, pas seulement les, 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 les PME ou les questions de, de, de cession de parts. Hein. Vous, vous verrez. Là aussi, ben, c'est assez édifiant. Les entreprises françaises contribuent plus fortement à l'impôt que leurs concurrentes européennes. Les prélèvements sur les entreprises représentent 16% du PIB. C'est 5 points de plus qu'en Allemagne. Mais surtout, la contribution relative des PME est nettement supérieure à celle des grandes entreprises. 21 points d'écart, par exemple, concernant l'imposition des bénéfices selon le Trésor. Au plan microéconomique, quatre sources de difficultés peuvent être mentionnées. D'abord, le poids des cotisations sociales sur les salariés qualifiés, c'est-à-dire le haut de l'échelle, très supérieur à ce que l'on observe en Allemagne. La fiscalité locale, ensuite, qui pour l'essentiel n'est pas indexée sur le résultat de l'entreprise, mais sur le bâti, c'est la cotisation foncière des entreprises, ou la valeur ajoutée, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Troisième difficulté, la myriade de petits impôts. 153 dispositifs parafiscaux au lieu de 55 en Allemagne. Enfin, dernière difficulté, le mauvais ciblage des incitations fiscales en faveur du financement de l'amorçage. Alors, Alexandre Mire-Lécourtois le rappelle, effectivement, le mauvais ciblage des incitations fiscales en faveur du financement de l'amorçage. Avant que nous ne revenions sur la taxation des, des, des plus-values, hein, de, de, de l'apport des, des entrepreneurs quand ils, quand ils revendent, euh, cette question de l'amorçage, qu'est-ce que vous proposez Effectivement, là aussi, tout le monde est à peu près d'accord sur le constat. Oui, parce que quand vous parlez de fiscalité de la plus-value et la fiscalité de combat que je mentionne dans mon rapport, il faut inciter fiscalement ceux qui prennent le risque. Vous avez trois catégories d'individus qui prennent le risque de l'entrepreneuriat en termes financiers. Vous avez l'entrepreneur qui met son argent dans son entreprise, vous avez l'investisseur qui finance alors qu'une entreprise sur deux dépose le bilan, donc il y a un vrai risque derrière, et puis vous avez le salarié qui fait le choix de rentrer dans la PME plutôt que de sécuriser son emploi dans un grand groupe, qui veut accéder au capital de sa PME et qui doit être aussi incité fiscalement à le faire. Donc vous avez ces trois populations qui doivent être motivées pour prendre ce risque. Euh, donc aujourd'hui, il y a la loi des finances euh, qui, a, qui, qui, a été, euh, qui est en train d'être mise en place et votée par le, par le Sénat. Euh, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que finalement, l'entrepreneur euh, doit être rémunéré pour ce risque. Donc le, le gouvernement est un peu revenu en arrière pour des entrepreneurs qui posséderaient plus de 10% de leur, pendant plus de deux ans de leur entreprise, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le business angel l'investisseur individuel qui a pris le risque aux côtés de l'entrepreneur même s'il ne possède pas plus de 10% de l'entreprise il a quand même pris un risque mmh, important mmh. alors qu'est-ce que euh, vous préconisez dans votre rapport là-dessus dans mon rapport je préconise une, une très forte incitation fiscale pour ces business angels puisque ces business angels sont la clé du financement d'amorçage qui manque cruellement aux entreprises de croissance nous avons à peu près 8000 business angels en France il y en a 80 000 au Royaume-Uni il y en a 800 000 aux États-Unis. Et euh, ce sont ces business angels et non pas euh, les, fonds, les fonds institutionnels qui prendront le risque de l'amorçage pour lancer une entreprise. Hmm. Alors, vous allez un peu à contre-courant, euh, euh, Philippe Hayat, et certains ont estimé que votre rapport avait été élégamment éclipsé, voire Enterré. Dans votre rapport, vous dites noir sur blanc qu'il faut une diminution sensible de la plus-value de l'investissement de l'entrepreneur dans son entreprise. De l'impôt sur la plus-value, ouais. plus bien mmh. sûr. On est effectivement à 180 degrés de ce qui qu a pu être donc euh, un instant dans les, dans, dans, dans les on, tuyaux. On, on était à 180 degrés quand euh, le gouvernement a présenté son premier projet ouais, de loi. Ouais. On était moins que ça quand ils sont revenus sur la fiscalité de l'entrepreneur lui-même. On est encore très loin sur la fiscalité, à la fois du salarié qui veut accéder au capital de son entreprise et du business angel qui prend le risque d'investir. Voilà. Alors maintenant, est-ce que ce rapport a été euh, est tombé dans les oubliettes euh, Ça aurait peut-être pu être le cas jusqu'à la semaine dernière, mais la semaine dernière. Jean-Marc Ayrault a présenté son pacte pour la compétitivité. On va, on va y revenir effectivement sur ce qui pourrait sortir après le pacte de la, de, sur la compétitivité, ben en quelque sorte, des assises de l'entrepreneuriat qui sont donc prévues pour le premier semestre de l'an prochain. On, 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 on va y revenir. Euh, Est-ce que quand même, vous n'avez pas l'impression que là, et quelque part, ben, j'imagine que vous devez y souscrire, le gouvernement a, a, a senti que, attention, il y avait danger, là, à brider la création. De la même façon, ils, ont, ils sont revenus sur leur projet euh, de euh, revenir sur L'amendement Madelin hein, sur oui. la part euh, déductible oui. qui voulait ramener à 10 000 euros hein, oui. euh, dans un investissement euh, par rapport à l'hier dans, dans un investissement sur une PME, là de quoi être soulagé alors Oui, je crois qu'il commence à être sensibilisé au fait que finalement la dynamique entrepreneuriale c'est un tout. C'est un tout avec un écosystème et plusieurs types d'acteurs, l'entrepreneur, l'investisseur, le salarié. Et on ne peut pas toucher à un des, 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 des mécanismes sans pénaliser l'ensemble. Et donc là, ça commence à faire son chemin. Donc j'ai bon espoir qu'on on revienne dans la bonne bon, direction. Ça commence à faire son chemin. Donc pareil, là, je le disais, donc ces fameuses assises de euh, l'entrepreneuriat, donc annoncées par Jean-Marc Ayrault. Est-ce qu'on pourrait avoir à ce niveau-ci un choc? comparable à celui de la compétitivité plus large qu'on a eu, donc, ou la trajectoire, pardon, ou le pacte, comme vous voudrez, qu'on oui. a donc eu sur la compétitivité. Oui, dans son pacte pour la compétitivité, Jean-Marc Ayrault a annoncé… Oui, oui, vous l'avez dit, mais qu'est-ce qu'on peut en attendre et, et, et il, les a, assises, il a, du, de la il parole, a annoncé que les assises avaient pour vocation ouais. de mettre en place euh, mon rapport. Ouais. Donc, il y a déjà un cadre mmh. qui a été défini. Dans mon rapport, il y a euh, mmh. six moteurs à actionner pour créer justement cet entrepreneuriat, favoriser cet entrepreneuriat de croissance. Donc le cadre est mis en place, le contexte est posé. Donc euh, qu'est-ce que ça va devenir ben, on, a, on a six mois pour euh, travailler dessus et moi je crois que dans six mois, il faudra qu'il y ait la même prise de conscience. Sur l'entrepreneuriat, que celle qu'on a vécue sur la compétitivité. À travers le rapport Gallo. Alors, vous êtes, je, je l'ai dit, hein, vous avez fondé 100 000 entrepreneurs, qui se veut donc une association de terrain, des entrepreneurs qui vont inlassablement euh, visiter les, les, les établissements scolaires, mais pas seulement. D'ailleurs, il y a aussi pour les, pour les premiers cycles universitaires, ouais. par exemple, beaucoup de choses qui se font parce que ben, vous estimez qu'il n'y a pas suffisamment de conscience euh, entrepreneuriale dans notre pays. En même temps, vous venez de sortir un petit livre aux éditions Ellipse hein, qui s'appelle L'entrepreneur et l'indigné. Coécrit avec un, un, un jeune type qui est assez passionnant, qui est un fils d'agriculteur, qui a vécu toute un, tout, tout un, une trajectoire. Il s'appelle Gilles Van der Poten Et donc, il est lui qui avait coécrit un livre avec Stéphane Essel. Hein. Vous vous souvenez du succès des bouquins de Stéphane Essel. Alors pourquoi qu Qu'est-ce qu que vous avez voulu démontrer Est-ce que vous avez voulu voir des points communs, finalement, entre l'entrepreneur en série qui a réussi, que vous êtes, et puis cet indigné euh, L'idée au départ est venue d'une journaliste qui s'appelle Jeanne Duseuil, ouais. qui nous a réunis euh, mmh. pour exprimer des points de vue. Alors, c'est vrai, point de vue entrepreneur, point de vue de la dignité, c'est deux façons de changer le monde. Mmh. C'est le soutien de. Et du... vous y avez vu des rapprochements ou pas On des a vu des communs, rapprochements. Les points communs, c'est que qu'on est, est actif l'un comme l'autre pour essayer de faire bouger les lignes. Lui part du collectif, mmh. en, en s'indignant, en se posant contre que vous, de l'individu en, en se posant. Moi, pour... je parle de l'individu et de l'épanouissement de l'individu qui ensuite ouais. tend la main. Et donc, finalement, on a, on a deux schémas opposés, mais pour euh, une communauté d'objectifs qui est qu'on qu oui. vive mieux et qu'on change un peu les lignes. Bon, qu'on change un peu les lignes. Bah, pour un new deal entrepreneurial, bah, bonne chance à vous donc merci. pour une deuxième vie en quelque sorte à votre rapport, le rapport de mission que vous avez remis, Philippe Aya, donc à Fleur Pellerin, la ministre déléguée en charge des, des PME et de l'économie numérique, pour que donc bah, y ait peut-être une meilleure perception hein, par rapport évidemment à la création de croissance hein, par l'entreprise. Oui, absolument. Merci d'avoir été. Merci notre à vous. Sur